Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft. Et chers amis, nous allons partir avec ce robot cette fois-ci toujours en Battle Arena pour espérer faire un petit million sympathique. Et donc avec ce petit million, continuer à équiper au mieux notre RC Scorpion qu'il faut que je pense à renommer à la fin de la vidéo, chers amis. Donc nous sommes toujours dans les Robocraft Days, n'ai toujours pas plus d'informations sur ma tour, malheureusement. Et donc on va continuer notre ascension dans les différents, on va dire, types de parties avec les différents types de robots que nous avons à notre disposition. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à ce sujet, vous pouvez toujours commenter au sujet d'avoir ou non à demander un compte presse, entre guillemets, à FreeJam, qui nous permettra en fait d'avoir l'intégralité de nos ressources, c'est-à-dire les GC, les Galaxy Coins normalement, et les RP, gratuitement en infini, et donc être à même de vous proposer chacune des nouveautés du jeu dans différents types de robots et avec différents, une plus grande variété de robots différentes simplement. Donc voilà à peu près ce que je peux vous proposer via, comment dire, les informations et les différentes nouveautés que nous avons. On se fait agresser, mais ce n'est pas grave. Et oui, je touche, je suis précis. Il va avoir peur à chaque fois que je vais faire ça. Oh, et ça touche normalement. Tiens donc. Quelle erreur. Se retourner à ce moment-là était la pire des idées qu'il a eues. Hop les. Bonjour l'ami. Comment va? Hop, c'est fait, on se met à couvert du sniper parce qu'on est quand même assez mal en point. Parfait, un petit peu de régène va nous faire beaucoup de bien. Et on va essayer d'aller déloger ce sniper, mais je pense que là, il en a pris pour son grade. Hop. Voilà, une bonne chose de faite. Merde, je me suis trompé de touche, excusez-moi. Un raccourci de mon clavier et de ma souris qui m'a trompé littéralement. Allez, reviens. Je te promets, je ne te veux que du mal. Hop. Un robot ennemi ici. Restons sur nos gardes, il y aura quand même malgré tout. Hop, quelques robots qui pourraient apparaître derrière nous. Allez, bouffe. Ah, je suis en bout de. Hop, où est-ce qu'il est l'autre? Je crois qu'on voit un autre tout à l'heure, non? Me serais-je trompé? Il va croire que je vais arriver par le côté. Hop, visons l'armement. S'il s'approche de trop, je ne peux plus viser son équipement. Merci l'ami. Oh, c'est sympa, regardez-moi ce copain. On a un grand copain. Hop. Bouffe.
J'ai pas eu le temps de toucher, c'est pas grave. On continue d'être un maximum polyvalent. Hop. Et attendons nos ennemis là où eux ne nous attendent pas. Quel dommage. Hop, parfait. Spotons-les. Dommage. Ok. C'est de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que... Merde, j'ai pas vu venir celui-là, j'avais complètement zappé. Bonjour. Qu'est-ce que... Non. Voilà, trop de monde. Allez, tire. Tire un foutu missile, mon dieu. Je suis pas sûr d'en avoir tiré le moindre, en fait. C'est ça le truc qui est problématique. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a fait une belle percée quand même, on est arrivé jusque là. On était 3 au maximum, on a réussi à couvrir tout un côté. Donc vous voyez, c'est faisable. C'est faisable. Oh putain, on a un rang platine avec nous. Ok, ça met dans l'ambiance. Je crois que c'est soit un rang platine, soit un rang argent. Je crois plutôt que c'est un platine. Ça suffira pas, voilà, parfait. On y retourne. On va essayer de continuer à rester au maximum à couvert. On va sauter de là à là. Et ainsi de suite. Ok, ça c'est fait. Apparemment, on a un ennemi à longue distance à tirer là-bas. Il l'a eu, GG. On continue. L'objectif est de rester le plus longtemps possible à couvert. Éviter le sniper qui reste ici tout le temps. D'ailleurs, qui se fait méchamment tirer dessus mais qui ne prend que très très peu de dégâts. Espérer que lui il monte. Putain, j'ai pas le temps. J'ai pas réagi assez rapidement. C'est ma faute. Lui il est tout proche. Si ça peut juste le toucher pendant, avant la régène, ce serait parfait. Merde! Ah, fait chier! Il s'approche. Faut attendre, chers amis. Faut attendre que nos amis récupèrent. Le point. Voire même que le sniper revienne. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'on régène plus vite que lui, c'est pas grave. Par contre, il commence à être nombreux. Allez, hop, mince, il y en a un deuxième, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu venir, je l'avoue, je l'ai pas vu venir. Dommage. Dommage, dommage. Bien joué. Bien joué. Ils m'ont attaqué en coordination et ça a fonctionné. Tire, 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 tire. Ils sont deux. Non, c'est bon, il est toujours tout seul, mais dépêche-toi. Il y a son pote qui arrive. Je parle comme si j'étais dans l'équipe, mais c'est pas grave. Pourquoi vous prenez pas le point? Vous êtes juste à côté, bordel. Oh là là. C'est vraiment dommage, vraiment vraiment. Oh la vache, on a MC Sergei le Max LOL gars. D'accord.
Allez. Vous l'auriez pris quelques secondes plus tôt, j'aurais eu le temps de revenir jusqu'à la ligne de front, littéralement. Ah merde, on a perdu un deuxième point. Ok, il faut aller récupérer. On n'est pas les personnages les plus rapides. Hein. Ok, vas-y. Hop, casse-toi. Cassez-vous. Ah, ils ont encore le snipe. Récupérez la tour. Non, attendez, il n'y a pas encore de nécessité de récupérer la tour. Une fois qu'on aura quelques... Merde. Ok, ça touche. Autant qu'on a un peu plus de mecs... Non, non, attendez. Ah, bon, c'est pas grave. Ok. Ils sont quasi wipe. Ça pourrait être la victoire. Ah, il y en a un qui a repop. Non, ça va être trop juste. Je vais rester là au cas où il y a des gens qui repop justement dans la... Attention, où est-ce que tu mets tes pieds, toi? Tu devrais peut-être pas venir au claque, là. Enfin bon. Ok, victoire. GG les mecs. Bravo, belle partie. Ça a été très stratégique au final, ce qui m'a surpris. À vrai dire, ça m'a véritablement surpris. Ça m'a véritablement surpris. Bon, bah c'est une bonne chose en soi. Hein. Moi, je suis preneur pour des parties un peu plus stratégiques. Hein. Ok. Donc ce robot est vraiment efficace au final. On peut pas le nier là pour le coup. Bon. Bon. Combien qu'on se fait de crédit? Un petit million? Allez. Soyez gentil. À peine? Même pas? 400 000? C'est tout? Putain. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux. À mon avis... Oui, je pense que c'est ça. À mon avis, le x2 ne fonctionne maintenant plus que sur un seul robot. À mon avis, c'est ça. Ok, bah pourquoi pas, écoutez. Pourquoi pas. Bah écoutez, on va repartir avec lui, on va refaire une. Après tout. Si on peut se refaire 3 ans ou 400 000, ça ferait toujours de quoi nous payer un petit duo de... Entre guillemets, d'écailles de queue, on va appeler ça. D'écailles d'appendice, on peut plutôt dire. On avait choisi de dire appendice. Oui, de protection d'appendice au niveau de la queue du... Comment... Bah... Putain. Bref. Vous avez vu, au niveau du scorpion. Voilà. Pourquoi j'ai envie de dire tout le temps queue dans... Bah c'est en même temps, c'est... Parce que je suis quelqu'un qui parle... J'essaie de trouver les mots les plus précis. Et Ok. Vous avez vu le nombre d'équipes qu'il y a? Bon bah s'ils ont réglé les problèmes de platoon, tant mieux hein. La prochaine fois qu'on fera un live, quand la tour reviendra, on pourra enfin jouer à plusieurs. Tant mieux hein. Je demande pas mieux moi, chers amis. Ok, c'est parti. The battle for Tyhonium Canyon has begun. On coupe les lumières. La plupart du temps, il y a un sniper qui se place là et un autre là-bas. Aïe, dégage. Spotted. Je sais si c'est pour faire ça. Spotted. Je vais pas sauter bêtement, hein, Brutti. Ah, il n'y en a pas un qui a touché. Ok. Par contre, reste pas devant moi. Ok, ils l'ont eu, parfait. C'est pas un problème en soi.
Hop. Ok. Là. L'intimidation fonctionne toujours. Continuez à nous couvrir, le snipe, c'est parfait. Ah putain! On a un heal derrière nous, c'est une bonne chose. Le heal, tu suis? Le heal, tu suis? Putain, mais il est où le heal? Wouah, mais putain, ils se sont cognés dedans! T'aurais dû suivre. Oh. C'est débile. Il n'y avait aucune raison de s'arrêter de healer là. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, de toute façon, vu le nombre qu'ils sont autour de leur point de spawn, ça va être rapide. Normalement, on aurait déjà pu les battre là. Techniquement. Ok. Voilà. Bonne chose de faite. Alors, reprenons la route. J'imagine qu'il y en a qui vont essayer de repartir par là. Your middle fusion tower is under attack. Ok. Voilà. Ok, merci le heal. Hop. On aurait déjà pu les battre. On aurait déjà dû les battre. Hop. Hop. Abruti, il commence par utiliser des attaques qui font des dégâts. Raté. Merde, je pensais pouvoir régénérer, on va dire. Ah, puis ils sont deux. Ouais, là j'avais perdu. Tain, ils ont repop vachement vite eux. Comment ça se fait qu'il a repop aussi vite lui? Bah, on est en début de partie, je suis con. Mais oui, on est en début de partie. Je suis débile. Ils ont des petits niveaux. Du coup, ils repop très très vite. Vous voyez, 5 secondes de repop. Alors que moi, je vais repop à Shy. À perpète les oies. Ok. En tout cas, ils se font chain, hein, littéralement. Regardez, ils ont 20 secondes de cooldown en moins. C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait? Enfin bon. Your middle fusion tower is under attack. Ok, on continue. Apparemment, il y a un lance-roquette par là-bas. Ok. Hop. Qui apparaît devant nous.
c'est... Il va me battre. Ah bah c'est bon. Bah écoutez, victoire. La partie aura été expéditive. Hein. C'est la durée d'une partie TDM. Hein, de Team Deathmatch, soyons honnêtes. Ça aurait été extrêmement rapide. Oh la vache, 15 kills. Impressionnant. Impressionnant. Ok, bon, bah ça met dans l'ambiance. Nous sommes à donc à 864 000 d'après ce que j'ai pu voir. Ouais, à peu près 864 000. Ce qui fait qu'il doit nous manquer encore quelques petits points pour choper la paire, je crois. De mémoire. Ah là! Il nous manque rien. Ah oh, putain. Eh ben non. Bon. Eh ben écoutez les amis, moi je vais vous laisser là malheureusement. Moi aussi je vais arrêter de jouer, il va falloir que j'aille monter. J'en ai plein à monter là à vrai dire. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, nous faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau encore une fois. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter au sujet de... d'avoir à demander entre guillemets à Free Jam un compte presse si vous préférez voir ça comme ça. Si ça ne pourrit pas selon vous votre plaisir à regarder la vidéo. Pour ce qui est aussi de la chaîne, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, hein, ce sont deux excellents moyens que vous avez, vous, chers amis, pour pouvoir tout simplement promouvoir la chaîne et me faire connaître les amis, et ça ce serait génial. Bien sûr, je vous rappelle que forcément, plus on aura d'abonnés, plus je ferai, plus j'aurai de possibilités, entre guillemets, au niveau de la chaîne. Hein. Je vous rappelle que pour l'instant, on est vraiment limité apparemment au niveau de YouTube, en tout cas c'est ce que les gens me disent, moi, sur Steam, mais que ça arrive avec le temps entre guillemets. Beaucoup de personnes m'ont parlé aussi de différentes choses qu'on pouvait faire sur Twitch. À l'heure actuelle Twitch c'est mort, hein. J'ai pas mon PC pour le faire tourner, ma tour est en réparation donc je peux pas en faire. Donc tout ce qui est stream à l'heure actuelle je ne peux pas en faire. Beaucoup d'entre vous m'ont communiqué en tout cas 2-3 petites choses vis-à-vis de Twitch qui sont encore une fois au niveau d'être reconnu par Twitch comme un streamer de qualité entre guillemets et qui me permettrait d'avoir encore accès à de nouveautés pour vous. Par exemple, les différentes qualités de stream, c'est pour ça, c'est à ça que je veux en venir, entre guillemets, chers amis, c'est que plus on sera connu, plus je serai même de faciliter pour vous l'accès au stream, en tout cas à mes streams à moi. Encore une fois, pour ça, il faudra être nombreux, chers amis, mais bon, on reverra ça ensemble une prochaine fois. Je pense que ça fera l'objet d'une annonce quand on aura retrouvé notre tour. Donc voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens, et yop!